Ok. Normalement, ça devrait être bon. Oui, que je vois vos... Oui, donc... Fasse ça entre Noël et Nouvel An. Le Flat Out 2, comme tu dis, ou d'autres jeux d'ailleurs. Alors de tête, entre Noël et Nouvel An, le lundi matin, je crois que je ferai un direct. Peut-être que je vous exhiberai peut-être ma partie de Raft en solo. Du coup, ce sera intéressant de faire une partie en direct. Et j'expliquerai pourquoi. Ensuite, vous ne me verrez pas du lundi après-midi ni du mardi. Par contre, le mercredi, jeudi, vendredi, avant le week-end du Nouvel An, le mercredi, jeudi, vendredi, je vais être fort probablement en train de faire des directs le matin. Et peut-être l'après-midi et ou en soirée. Ça, je vais faire comme toi et Jess, ça va partir en direct sauvage. Entre le jeu choisi et l'horaire choisi. Voilà. Mais à mon avis, le lundi après-midi et tout le mardi, entre Noël et Nouvel An, vous ne me verrez pas du tout. Oui, chargement. C'est bien, il me dit que je suis à 84% du scénar. On arrive enfin vraiment vers la fin. Donc avec un peu de chance, Far Cry 2, je le termine avant l'année prochaine. C'est-à-dire j'ai 15 jours pour le finir. Ce qui me permettra de reprendre Dying Light. Et j'en étais où? Je ne sais plus. Oh la vache, le jeu est d'une fluidité, ça fait plaisir. C'est presque enivrant. Vache. Je me laisse surprendre par la fluidité du jeu. Ça me fait bizarre. Alors, étais-je en mission? Point d'interrogation. Aller à Seppuku et tuer Graves et ses hommes. Mon vieil ami Arturo Crippo, gardait le fauteuil de Tombosa bien au chaud. Je ne l'avais pas vu depuis Léo Boa Sacco. Ma réputation de révolutionnaire lui a donné des idées. Il veut que je tue Graves et le reste du commandement au passage frontalier à Seppuku. Une fois ses généraux écartés, Arturo Crippo sera le seul maître à bord de la PR. Eh ben dis donc, c'est pas joli joli tout ça. Mince, la carte, c'est pas comme ça. Alors, je... Oh, bah, je suis proche de la... Eh ben, ça va défourailler. Je suis proche du coin de patatage. On va y aller en buggy. Le buggy de la moitié, le buggy de la vie, le buggy de je sais pas qui. Je sais pas qui. Pas de diamant par hasard. Pas de diamant par hasard. Enfin, j'ai fait une sauvegarde sauvage, du coup ça stoppe les mecs de la course du jeu. Il y a eu comme un moment de flottement. Ouais, je vais m'arrêter là. Bonne idée. Ah bah merde, ils m'ont déjà repéré, il y a un snipe. Attends, il doit être là le mec. Ah, il y a une espèce de tempête du désert là de. Ah bah c'est lui. Eh bah c'est moi qui l'ai eu. Bingo. Ouh, il y en a du monde. Oh l'idiot, tire une roquette. Quoi? C'est pas possible. La roquette elle est passée au travers. C'est pas réaliste. Oh. Comment qu'ils abusent. Alors ça va être musclé, hein. Ça va être violent. Parce que voilà. Je mets en état de siège une base où ils doivent être 10 et surarmés. Puisque j'approche de la fin, voilà, ça fait feu d'artifice. Oui. Alors, le gars, il était. Bah, déjà, il y avait un mec là. En moins, c'est cool. Attends, le snipe, je le ferai après. Je bouge.
Ah bah, le snipe de tout à l'heure, je le vois plus. Merde, il y a une roquette qui passe pas loin. Ah non, c'est un véhicule. De l'intérêt d'avoir un lance-roquette. Oh merde, je fous le feu à la cambrousse. Oh. Je vais aller sur la colline opposée, je te préviens. Ou pas. Merde. Dommage, c'était bien tenté. Oh, vous savez quoi, je vais la faire la Rambo. Le premier tir que je vais faire, ça va être à la roquette. Allez, je suis fou. Oh, allié. C'était l'affaire Louis Trio qui chantait ça. Fou, allié. Allez, c'est le streak. Oh. Hop. Je vais essayer de les prendre à revers, tiens, histoire de les... Ah, si je peux. Ah, un rocher. Le décor va m'aider, vraiment. Attendez, je vais sauvegarder là et on va essayer. Des requêtes plus tard sur place. Doc, allez, je t'ai vu. Viens rien et je vais m'occuper de ton cas. Viens ici, sale merde. Allez, connard, te dégonfle pas. Viens rejoindre ton créateur, ta manoc. Oh la vache, les répliques. Oh, bah arrêter. Alors, j'ai eu un bug de zoom de snipe. Ils attaquent. Ah, il est là. Ah, j'ai du mal. Hey, pourquoi oui, la first class, Milmeto? Attends, il est où? Rochard, couvre-moi! Dépêche-toi! Ah, pas facilement là! Attention! Je sais, je sais! Oh, forest court! Ah, il aurait tof avec sa bulle! Où est parti? Il est quelque part. Ah non, je crois que c'était un mec au loin. Il est passé par là! Ah ah ah. Merde, allez, mets aussi. Non, maintiens ta position. Tu veux te faire planquer. Allez, hop, un petit molotov pour les tenir occupés. Oh merde, 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 je suis trop exposé. Je me suis que trop exposé. C'est quoi ça? Ah d'accord. Oh, il y a un fou qui tire à la roquette. J'ai un maboule qui tire à la roquette. Alors je sauvegarde parce que je progresse plutôt bien. Ah, il y a un mec là-bas. Ah, oh, je l'avais dans ma ligne de mire. C'est pas bon. Oh, il y en a encore plusieurs, hein. Je sais pas. Tu crois? Bah, je sais pas, mais... On devrait quitter notre poste. Bah, restons ici. Merde, il m'a eu. Le salopard, il m'a eu. Bien joué. Il m'a eu, le vilain, il m'a eu. Essaye de me prendre le fer, mais... Il est temps de mourir, connard. Oh vache. Ah, attrape. Ils sont trop nombreux.
Alors, l'idée de faire état de siège est pas évident du tout. Hein. What de Dieu. J'ai jamais regardé de speedrun de ce jeu. Et je me demande s'il y en a qui jouent pas du lance-roquette pour... par effet de dégâts d'explosion, éliminer les cibles, mais sur une trajectoire très précise. Je sais pas, un jour, je m'y intéresserai sûrement par curiosité. Et il détale trop vite, c'est ça qui est génial dans le jeu, ça fait vachement réaliste. Ils savent pas où il est. Là, je récupère des balles en allant sur le cadavre du snipe. Vache, comment tu me démontes mon installation? Non, je suis à poil. J'aurais pas dû bouger. Heureux, Nayone. Ah oui, tiens, Nayone, pardon, LJ. Il y a Nayone qui te propose de jouer à Flatout. Si vous voulez jouer à Flatout entre vous, n'hésitez pas, vous avez raison. N'hésitez pas, n'hésitez pas. De faire un tir dans le mouvement, c'est très très dur. Surtout que il y a l'effet brume là qui est bizarre. D'ailleurs, je me demande vous si vous voyez bien en tant que spectateur. C'est une espèce d'orage. Enfin, l'ambiance est d'un lourd. Au niveau de la météo, c'est fou. C'est fou. Chiant, mais c'est pas possible. Non, attention! Je le vois, là-bas! On se cale dans un coin et on se débarrasse de ce fumier! Laisse le sentir. Tu gardes bien sa trace et on va le ramasser. Toi, tu vois quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont perdu! Ils vont rester cassés, elle cherche la tourée! Merde, je pensais être à la bonne derrière la tôle. Mais visiblement, c'est pas le cas. Il va falloir que je liquide un mec de ma position et que je me barre aussi sec que je redescende les escaliers parce que je suis trop exposé en fait dans mon approche. Heureux, dit Nayonel, je fais quelques trous avec des balles, c'est du joli. Ah, je fais quelques trous avec des balles, lui. C'est marrant quand t'as dit ça, moi j'ai pensé à du golf. J'ai une envie de mini-golf. Ça passe sûrement aussi dans les fêtes. Je sais, Ah, fais gaffe! C'est pas possible, j'ai un problème. Oh, j'ai mis deux mecs. Je vais le contourner jusqu'à sa position. Je te garde en visuel. La chienne du monde. Tu gardes rien du tout, mon gars. Tu gardes rien du tout. Ouais, mini golf, c'est sympa aussi. Tu es là. Je vois. Allons-y. Oh la vache, j'ai des balles qui traversent le. Oh merde. Merde. Ah, dommage. Ça va être difficile d'honorer cette, ce contrat, on va dire, d'exécution. Au moins, vous avez 100% action. Oh, non, y a le feu. C'est lui. Il fout le feu, maintenant. Il fout le feu. Tu vas mourir. Hé hey. Ah, il a un gilet pare-balles. Alors là, je l'ai à peine chatouillé, le mec. Ça s'est vu. Donc lui, il faut du lourd, le loustic. Alors je me demande si je vais pas lancer une grenade dans l'entrepôt. Au feu, y a le feu. C'est lui. Voilà, il comme feu, ça. Maintenant. Ils l'ont perdu. Et je m'occupe de l'autre. Là, il y a plus personne. Je vais vous voir. Ah non, ils étaient autour du pont, mais pas dedans. On va aller faire le gigolier. Un mini-golf au parc de la pépinière parmi les gamins, tout filmé au plus grand plaisir des tuches spectateurs. Peut-être qu'on le fera un jour, mais il faudrait ça, que c'est un truc qu'on avait mis l'hypothèse, et je l'ai oublié, de contacter le proprio du mini-golf et demander si on aurait le droit de filmer et diffuser sur... C'est lui. C'est une idée, il faudrait que je le note dans les...
Il s'est pris 6 balles sur les 8, il les digère le gars, il est encore debout. Parce que je fais avec un silencieux, mais en fait c'est pas la bonne arme. Comme là je me suis fait repérer, on peut plus dire que c'est de l'infiltration. Même à la machette j'aurais fait plus de dégâts, c'est quand même fou. Ouais, non, non. Je peux pas tirer à bout portant avec un coup de snipe. C'est une contradiction folle. Bon! Eh ben, la bonne vieille machette. Faudra que j'y aille au corps à corps pour le moustique là. C'est lui. Il faut le faire, ouais, ah, j'ai pas compris. J'ai eu comme un vertige au moment d'assaillir le mec. Là, 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 là. Je rappelle que je joue avec la difficulté maximale. Hein. C'est presque un balin mort. Je dis presque. Aïe. Oh, mais ils ont des balles qui transpercent les... Hein. Bon, alors, haute technique, c'est d'étaler comme un lapin presque tout le temps. Ça peut fonctionner. J'ai dit ça peut. On va voir. Qu'est-ce qui se passe, ces dogs? Ils l'ont perdu. Merde, on devrait se disperser et le chercher. Ouais. Eh ben, dis donc. Là, je vais passer à l'opposé. Ils ont pas un truc de pistolet mitrailleur sur pied, ça m'aiderait bien. Parfait, réglé comme une horloge. Mettez-vous à l'abri par ici, vite! Great, mes hommes sont en train de se faire découper là-bas. Vous commettez une erreur, mais il n'est pas trop tard. Alors faites demi-tour et repartez. Tout va bien, je connais son niveau. Merde, je te regarde. Tu es quelqu'un dans le lui. Trouvez ton point. Viens jouer encore une fois avant que je te fasse. Merde, dis-lui de son sang, couvrez-moi. Tu mérites pas qu'on t'appelle un homme, Gris. Putain, allez, je t'ai vu. T'es rien et je vais m'occuper de ton cas. Viens ici, sale merde. Moi, ma batte, c'est signer votre arrêt de mort. Alors, avec mes derniers succès, j'ai le choix des armes. Je vais faire un tour en ville pour dénicher un meilleur job. Ça va aller, mon gars. Comme ça, il n'y a pas de témoin. Réputation en hausse, si tu m'étonnes. Oh merde, il m'appelle. Oh, niveau 4, vache. C'est Ruben. Vous pouvez me retrouver au bar? C'est urgent. Je dois vous prévenir. Certains de vos anciens partenaires sont ici. Alors surveillez vos arrières quand vous viendrez. Il est connerie. Ah. Regarde-toi. Allez, je sens la fin quand les mercenaires copains se retournent contre vous. Vous êtes seul au monde et vous allez voir ce qui va se produire. Là, le final en feu d'artifice, ça va être que des coups de feu, des explosions. Ça va être ramboesque, mais vraiment. Alors, est-ce que je peux me barrer avec un véhicule? Tu peux y arriver. Relève la tête. Ce n'est qu'un homme seul, hein, tout seul. Si vous étiez le type. Moi, j'ai cru que c'était un mec, mais... Venez-moi, où est-ce qu'il se plante? Ah, la malaria! Merde, où est-ce qu'il est? Je sais qu'il est par là! Il tiendra pas longtemps! Avec la malaria, nous. Ça va pas le faire. Donc, d'après lui, il faudrait que j'aille. Ok, alors. Au bar. Ok. Je suis patient. Bon, attention, on y va. Ah, il y a des munitions là-bas. Ce qui m'arrange bien. Ah, il y a un gars là. C'était le gars d'ailleurs. Ah, il y a un autre mec. Moi aussi. Génial. Wow. Avec un peu de chance, il n'y a plus personne. Ah si, il y a du monde. Vache, ils sont bons. Il y en a encore. Ah oui, merde, j'en ai pas fini. D'où venaient les tirs? Ah.
Oh, joli, comment ils m'ont zigouillé. Eh bien. Pam, 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 pam. Il y a une grosse trousse de pharmacie, donc je peux. Oh! Comment qu'il s'est décalé le stick? Et même avec un peu de chance, je peux peut-être même trouver une petite trousse au lieu de la grosse trousse à pharmacie. Et ça m'étonnerait pas. Par ici, par exemple. Ah, c'est bien, il y a des véhicules. Ah non, téléviseur, il n'y a pas de pharmacie ici. Je les ai trucidés. Bon, il y a l'arme machin. Ouais. Ouais, bah je vais prendre un véhicule et je vais me barrer au bar. Pour moi, c'est mission accomplie. Alors, le bar est loin par là-bas. C'est parti mon kiki, on fait de la route. Là il y a un orage, là. Ça flotte. C'est bien ça, ça fait une ambiance, une atmosphère au niveau de l'Afrique. J'avais la prétention de passer presque à fond les ballons en zigzagant dans la chicane, mais non, c'est bien fait et je me suis fait avoir. Ils m'ont cueilli comme une fleur. À l'arbre parce que voilà, arrivé au virage. Voilà, les classes bon, bon, sont là, ils peuvent pas voir que j'y aille. Non, peut-être pas au lance-roquette. Voilà. Allez, une fois rechargé, je sauvegarde, au moins ce sera plus à faire. Il y a encore un mec. Je suis persuadé qu'il y a encore un mec. Est-ce qu'on va le voir détaler hors lunettes? J'ai besoin de la lunette pour le zoomer. Pardon. Et alors, ma souris vieillit mal. J'ai la chance d'avoir une magnifique Razer Naga, mais elle prend de l'âge. Et j'ai remarqué que j'ai les boutons souris qui deviennent instables au niveau de la captation de l'appui. Donc ça vous fait un truc germotron, j'en suis désolé. Mode corruption activé. Bon, allez, mini-golf, il y a eu assez de grosses mises à jour. Oh. Ah. Non, mais on serait un mini-golf pareil entre Noël et Nouvel An. Et vous pensez bien que je vais profiter de la semaine pour essayer de fête pour faire des... Des week-ends aussi, hein, de fêtes pour faire des jeux communautaires. Vous en faites pas, ça va se faire.
J'étais persuadé qu'il y avait un troisième homme. J'ai rêvé ou il a... Il s'est barré. Ah bah. Voilà, merci. Aïe, 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 aïe. J'ai bien que j'ai vu un mec courir. Ah bah. Il y en avait plus que ça. Non, il m'a bouffé. Il a failli me liquider, le salopard. Cette scène ridicule. Ah bah voilà. Je peux me soigner et prendre ça. Comme ça, j'ai mes 5 pouces. Alors, munitions. Ah bah j'ai... Ah oui, c'est lance-roquette que j'ai pris. C'est bon ça. C'est bon, c'est bon. Alors une Jeep endommagée, c'est pas top. Ah, l'orage passe. On va retrouver le beau temps. On va retrouver le beau temps. Oula, il y en a mis un sans zèbre. Le tapis, là, je sais plus. Alors, j'essaie de pas les écraser. Je suis incorruptible, ouais. Comment ça, Lionel, c'est cool. Comment il y a? J'arrive où là. Là il me faut la carte parce que je suis perdu. Oula, dans quoi je me suis embarqué? Je suis sur une presqu'île où il y a la montagne. Ah, ah, je serais bien de prendre le fleuve. Prendre le fleuve serait une meilleure idée. Mais où est le prochain navire? Oh. Il vaut mieux que je voyage par voie maritime. Pas fluvial. Merde. Oh, il y a sûrement du monde ici. Oh, c'est le livreur. Je fais neuf. Oh. Ah. Que par rapport au royaume. Oh. Ah, j'allais dire, je me suis bugué, enfin, planté dans les murs invisibles. Alors, ah, il y a un petit élevage. Ouais, il y a lui. Ah, il y avait quelqu'un là-bas. Ouais, je l'ai eu. Encore que je suis pas sûr. Non, c'est un animal ou c'est un objet qui roule? Ah, c'est un animal. Je me disais que le déplacement était pas assez aléatoire pour que ce soit humain en panique. J'aurais réussi mon assaut, ça m'étonne. Ils étaient plusieurs tout à l'heure à mon débarquement là. Enfin, merde, je lance une grenade. Ah bah
voilà. Fils de... À couvert. Tiens, attrape. Beaucoup de munitions pour pas grand chose. Le ratio tir victime est pas très satisfaisant. Alors le quai est en feu, c'est génial, je vais trouver un navire, je crois que c'est foutu. Aïe. Puis là il n'y a rien. À part la bouteille, mais c'est pas ça que je cherche. Alors je continue en bagnole civile. Oh là 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 là. Non, ça va, il y a un navire. Voilà, l'eau est désinfectée normalement. Oh merde, puis lui qui va flamber. Attends. Il va être en feu au moment où j'arrive. Ne t'inquiète pas, le sage, nous tentions de te faire changer d'avis, mon Far Cry à toi. Non, j'y tiens au Far Cry, j'ai très envie, désolé. Voilà, j'ai vraiment très envie de me défouler à Far Cry. Ça va, c'est un dommage, parce que ça cue encore nous sur le quai, alors c'est embêtant. Le moteur n'est pas touché. Alors la question est, c'est dans quel sens que je vais. Ouais, je suis dans le bon sens, il faudra que je remonte toute l'arrière. Joie. Eh bah, on va voir plein de choses défiler. Oh, j'ai un sniper qui me prend pour cible. Bonjour le coyote, comment que ça va? Merci, c'est gentil de rester en sous-marin. Ouais, ça va bien, merci, j'espère que tu vas bien. Waouh, alors que le sniper m'a bluffé, là, il m'a liquidé. Waouh. Je zigzag pas assez, en fait, je suis trop en ligne droite et ma trajectoire est prévisible. J'ai croisé une patrouille, ils ont même pas réagi. Il devait être en état de choc. Ouch. Percuté plein de balles en récif, ça la fout mal.
c'est beau. Regardez là, entre la gauche et la droite, les couleurs, j'adore. Le dégradé au ciel était magnifique. Ça faisait carte postale là, pour le coup. C'est ce qui s'appelle foncer sur son objectif. Là, je peux pas. D'ailleurs, je me demande si le navire finalement est pas le moyen de locomotion le plus rapide du jeu. J'ai l'impression d'aller plus vite qu'en bagnole. À vérifier. Oh, je pense que c'est 50-50. Non, la bagnole va tout aussi vite en fait. Alors, je pense que le moteur de jeu là, il est poussé à son maximum au niveau de la du déplacement possible. C'est vertigineux, hein, il y a une espèce d'ivresse de la vitesse. Il y a quelque chose qui devient presque hypnotique. Je sais même pas si je me suis embarqué dans le bon bras de rivière. Mais le paysage est... Waouh. Oui, non, mais là, les mallettes, j'abandonne. Ça doit être quelque part dans la montagne. Et... On va trouver. De toute façon, j'ai le matos que je souhaite. Miaou. Dans les lianes. Ah, encore que là, c'est troublant. Oh, ça doit être en haut, ça doit être en haut. Bon, bref, attendez, je vais faire le tour de l'eau, là. Avec des petites herbes de raf, des petites herbes. Capitaine, capitaine, il y a le regard autour du navire. Eh, n'hésitez pas, pour ceux qui ne connaissent pas les épisodes de raf que je fais avec les copains, ou les fans de Far Cry, je vous invite vraiment à regarder raf, parce que qu'est-ce qu'on rigole. Le taux de vanne à l'heure est élevé. En plus des aventures, le scénario est captivant. Avec le militaire là, qui est complètement cinglé. C'est... Waouh. Donc, organisation de ma chaîne YouTube. Une liste de lecture correspond à un jeu vidéo. Là, j'ai une liste de lecture... Je sais plus quel jeu j'ai fait, j'en ai fait plein. Une liste de lecture Red Faction que j'ai fait en antenne avant de lancer mon Twitch, par exemple. J'ai mes archives aussi, c'est magnifique pour regarder ça. J'ai une liste de lecture Sonic, une liste de lecture Super Fledge, une liste de lecture Spell Mickey, etc. Ah bah voilà, c'est comme ça qu'on fait. La classe. Ah bah oui, tu me diras, il y a un truc de vente d'armes à côté. Waouh. Je te cherchais. Ah bah, je m'attendais à voir juste un mec, mais il y a du... J'ai dû verser une belle somme à votre ami le lieutenant pour vous parler. J'espère que ce que vous aurez à me dire en vaut le prix. Pourquoi ? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu un incident à l'aéroport. Une fusillade façon western. Ces hommes m'emmènent là-bas pour que je puisse me rendre compte par moi-même. Ou peut-être qu'ils vont en profiter pour m'abattre, qui sait. Si les choses se compliquent, puis-je vous faire signe? Personne ne pourra m'aider, même pas mon employeur. J'ai besoin de savoir si je peux compter sur vous. Sinon, il n'est pas question que je monte dans cette voiture. C'est vraiment difficile pour moi de me contenter de rester à l'écart et de rédiger mes notes en croyant que ça peut changer quelque chose. Il y a des jours où je vous envie. Hey. Gardez votre téléphone chargé. On se revoit bientôt, j'espère. Ok. Si tu le dis... Enfin, tu parles tout le temps avec ce type. Eh, écoute, t'es malin, tu sais comment ça se passe. J'ai de bons contacts à l'UFLL. Je pourrais faire toute l'opération, pas de problème. Tu t'occupes de trucs de l'autre côté avec la PR. Je veux que tu fasses pareil chez nous. Voriz et Carbonel, ces deux salopards. Ils sont partis à la mine de diamants surveiller les machines. Quelqu'un les tue là-bas, et personne ne saura comment. Tu pourrais faire ça? Les tuer, ça pourrait valoir la peine pour toi. Voilà de l'argent, plein d'argent. Retrouve-moi au quartier général du front quand tu auras fait le travail. La mine de diamants. Il faut que tu liquides les deux, pas qu'un. Ah, intéressant. Eh ben voilà. L'aventure continue. Alors, réfléchissons, c'est-à-dire prendre les bonnes armes en fonction de la mission à accomplir. Ah, donc l'intitulé au niveau texte, c'est « Aller à la mine Taemoko, tuer Voriz et ses hommes.
Rubens disait vrai. Nous avons eu de la visite au bar de la Marina. Anto Karkaras est allé au sud avec les autres commandants de l'UFL après la mort de Mbantué. Vorier est conforté, mais mon récent nettoyage de l'APR a donné des idées à Anto Karkaras. Il veut que je tue Vorier et l'autre lieutenant à la mine, Taemoko, pendant qu'il prendra place dans l'ancien bureau de Mambutue. Eh ben, c'est un beau bordel. Je vous le dis, moi. Je vais me séparer un peu du lance-roquette. Ouais, en Rambo, ça peut être pas mal. Oui, oui, d'accord. Oui, et puis aussi, le 9 mm va pas être top top. Lance-grenade peut être drôle, allez. Lance-grenade. Oh, allez, je vais me la jouer à la Rambo. C'est tellement confort. Fusil de snipe, je le garde. Ouais. Hop, et hop. Et ben voilà que demande le peuple. Oh, cette ambiance orageuse où ça manque de luminosité, ça me rend fou. Alors attends, on est d'accord, je vais vérifier quand même l'ordi du marché d'armes. De vente d'armes. Je vais être sûr que j'ai rien loupé, mais je crois pas qu'il m'ait dit qu'il y ait des nouveautés. Hein. Vous avez dû être plus attentif que moi. Je crois que j'avais tout déverrouillé de toute façon. Oui, j'ai accès à tout, c'est la fin, ouais. Oui, ben non, ce que j'ai, je suis content. Ouais. J'ai coqué mes quotas. Alors. Hop. Est-ce que je fais complètement la route et je traverse le pays? Ou est-ce que je prends le bus? Alors, je vous avouerai que prendre le bus, c'est la facilité. Ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas parce que je vais sûrement esquiver des patrouilles mobiles et des points de contrôle. Qui risqueraient de m'occuper pendant une heure. Donc j'aimerais quand même avancer à bon rythme, que je finisse par Cry 2 en beauté. Avant de débuter la nouvelle année dans 15 jours. Chauffard, j'avais la priorité, sors de ton véhicule que je rectangle. Voilà, Yolos. Ça s'appelle un contrat à l'amiable africain. Ça parle très mal. Non, j'ai honte, j'ai honte. J'ai oublié ce que je viens de dire. Aïe, aïe, aïe. Le dimanche à Bamako, c'est jour de plus de taille. Terrible. Ah merde, c'était les bus. Je me fais avoir chaque passage. J'ai l'impression que c'est la cabane, la planque qui est desservie par l'intersection, mais non, c'est avant tout l'arrêt de bus. Voilà, c'est ça dont j'ai besoin, moi. Oh, comment j'ai embouti la voiture civile. Ah bah, c'est le dernier panneau que j'ai pas regardé qui était le bon. Joie. Oui, c'est ce bus-là qu'il me faut. Go. Go. Ah là là. Oh, j'ai oublié de me servir de la flotte. Je me dilue un petit peu de jus d'orange. C'est bon. Le jus d'orange. Allez, un tiers de jus d'orange pour deux tiers de volume d'eau. Oui, je veux sauvegarder. J'ai juste sauvegardé en regardant d'un coup d'œil toutes les demi-secondes si mon mug ne déborde pas. Je suis fou à vouloir tout faire simultanément. C'est comme ça qu'on fait des bêtises. Oh! Alors, bah, il y aura sûrement une patrouille mobile qui va me rentrer dans le lard. L'inverse m'étonnerait beaucoup. J'aimerais bien sauter dans le buggy barrière, mais je sens que je vais avoir de la visite. Ou pas. Bon. Le buggy, il était là.
la 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 Ah non, je me souviens, c'est une exécution sur la route. C'est pas un barrage. C'est vrai, je me rappelle de cette scène horrible. Donc on contourne la formation rocheuse, vous l'aurez dit. Ah peut-être que... Oh non, ça se fait plus, mais non, ça va se fermer, je suis... J'ai pas plus sûr, on est d'accord. La poussière que je soulève, je sais pas si vous avez vu. Bon, moi je suis content d'honorer le contrat en plein jour, je vais vous y donner quelque chose. C'est pas comme le direct précédent où je me suis retrouvé coincé de nuit. Déjà moi pour jouer c'est pas triste, mais alors nous en tant que spectateur c'est écran noir presque. C'est quand même dommage à ce niveau-là. Oh attention, j'ai l'heure de la visite là. Merde, ils m'ont repéré. Ah, ils m'ont... Pas mal tenté, très viril, très musclé, mais ça paie pas. C'est quand même dommage. Wouh ! Mais mon réflexe était bon. Déjà, le mettre sur le véhicule, il pouvait pas m'écraser. Et... J'ai essayé dans le rythme de bien... Oh ! Oh merde! Merde! Oh dommage! Ça beau être un flingue Rambo-esque avec un gros chargeur. Et voilà. Il fallait qu'il y ait un troisième véhicule. C'est la guerre! C'est la guerre! Hop, je me soigne, le tarim. Oh merde! Bien essayé! Ça me plaît! Cette scène d'action me plaît! Violence! Allez, je suis déchaîné! Oh, magnifique! Oh dommage! Aïe 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 aïe! Je vais réussir la combinaison gagnante! Je vais faire un truc à la Matrix, vous allez voir, ça va être la perfection, ça va être trop beau. J'y crois, je veux y croire, je peux le faire. Voilà, où t'arrives? Je me soigne. Oh non ! J'y croyais ! Comme dans la série Palace, dont vous connaissez sûrement la pub plus récente, un jour je l'aurai, un jour je l'aurai. Ah,
crois qu'il est mort. Non ? Il est pas mort. Incroyable, il m'a eu. Pourtant, je tenais de bon bout. Oh, ce bis repetita. Mais ça va être ça, hein, jusqu'à la fin, là. Hein. Vous avez vu le... Ils sont tous sur moi, donc seul contre tous, c'est... C'est redoutable. Oh non ! D'une manière ou d'une autre, oh là 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 là. Si seulement... Moi j'adorerais réussir à un lancer de grenade et... BAM ! Ce serait trop trop la classe. Allez, je vous sauvegarde parce que là j'ai presque fait la perfection. Eh ben dis donc. Ah, il y en a un qui dansait Macarena là. Ah non, c'est calmé d'office. Wouh ! Joli ! Attends, je vais essayer de sauver mon buggy. Voilà. Retomouf. Merde, qui c'est qui me tire dessus? Ah, j'avais pas vu. Hop là. Ça, on n'en prend plus. Voilà, il a bien giclé, le gars. Ah bah, je vous dis, il va y avoir du beau spectacle. Il y a un moteur qui est en feu, presque. Je vous laisse admirer la scène. Bon, bah c'est bien. Mes armes sont prêtes. Je pense pas que je serais pu récupérer quelque chose au niveau des véhicules. Enfin, surtout des dépouilles des malheureux. Ouais, alors, je vais être sympa, je leur répare un véhicule. Ah, voilà, alors étape suivante. Oups. Attends, il y a peut-être des munitions ici. Des munitions que je convoite. Je peux éventuellement me soigner à la grosse pharmacie, mais j'en ai peut-être pas besoin de... Ah! Bien. Ouais, ça va, je prends la flotte, j'ai pas besoin de... Ils ont pas de caisse à munitions? Oh, j'avais déjà le buggy qui refumait au niveau du moteur. Alors je refasse une réparation supplémentaire. Même pas, ça n'a pas besoin. Bon, bah. S'il le dit. Oh, s'il le dit, je sais qu'il n'y a pas besoin. Hop là. Ah, je suis proche de la zone d'action. Voilà qui est posé. C'est un duel. Voilà. Peut-être pas mal. Ouais, ils ont le gros truc qui lance les grosses bouboules. Attendez que je vérifie. Ah oui, c'est ça. Ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Vous allez voir que je vais me rencontrer à animer tout le monde avec l'explosif.
Étant sur Discord officiel du jeu, j'ai eu l'information qu'une grosse mise à jour est sortie, notamment un nouveau parcours. Ah, le Golf Around. Ah ouais, effectivement. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Péril. Je pense que la cavalcade va venir de là. Je devrais avoir Théocon des poursuivants. Ou pas. Non, c'est étrangement calme. Bon, bah... Je sens que ça va être la fête. Merde, ils sont en train de m'allumer. Ah non, ils m'ont liquidé. Tu regarderas ton Discord quand tu auras le temps, le sage d'Ancy. Je le ferai sûrement tout à l'heure lors de l'épisode commenté avec mon fan. Merci Tomouf, je devine que tu mets plein de trucs du genre jeu gratos, jeu en réduc ou je sais pas quoi, ou actualité. Merci Tomouf. Ah bah merde alors. Il va falloir que j'essende expressément de mon véhicule parce que au moment de sauvegarder c'était pas si agité là. C'est troublant comme... Ah, j'allais dire, j'ai eu un bug. Je crois qu'ils m'ont explosé. Ah, je vais peut-être reprendre la sauvegarde précédente. C'est un peu dur là, le... de partout, il y en a 650. Ils sont à tous les endroits les mecs, c'est une horreur. Et le mec il m'a blessé au bras, j'ai même pas pu tirer ma grenade à portée souhaitée. Au même moment je me prenais une balle, donc ça m'a cassé de moitié le lancer de grenade. C'est logique. Alors, sur la barre de vie en 5 cases, si malheur à moi, j'ai une balle qui me touche lors de l'usage de la grenade, il me restaure une barre, mais sans me soustraire la seringue utilisée, employée. Alors que, évidemment, si j'arrive à me soigner sans un pont, je vais faire la seringue, je vais faire toute la vie. Oh la vache! Ils sont redoutables! J'ai eu le bon goût de me mettre au beau milieu du carrefour pour dire « Oh, je suis là !» et me faire cerner à toutes les intersections. Alors, je crois qu'il faudra que, si je reste sur la tourelle, définir une priorité ou tirer. Je crois que le mec près de la cabane est très tireur.
ou un autre. Waouh, mais c'est intéressant. Alors j'espère que ça vous donne pas trop un effet Gerbotron, le côté répétitif. J'aurais dû descendre, j'ai trop abusé à rester sur mon point fixe. Mais le début est pas mal. Vache. Sauf s'il m'abat du premier coup. Il y a un côté aléatoire quand même. Oh. The bitch! Aïe 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 aïe, c'est pas facile. Ils sont dociles. C'est pas facile. Je reste toujours la seconde de trop, j'ai envie de vous dire. Ah. J'avance. J'ai pas localisé le gars qui arrive à me neutraliser, mais ça va venir. Je sais pas où est-ce qu'il crèche. Vous voulez partir? Il est quelque part par ici. Vite, il est passé par là. Il est passé par là. Il y a un mec par là-bas. Bizarre. Ah, où est le gars qui parvient à me sniper? Grande question. Où est parti? Il est quelque part par ici. Vite, il est passé par là. Merde. Attends, je vais foncer à la baraque, je reviendrai à mon véhicule plus tard. Quoi, soit tuer les deux officiers, soit revenir à Port Salo et abattre en tant que du PC de l'UFSL. Il y a toujours une contre-proposition. Le survivant dit à ses hommes fidèles PC machin, vole en tant qu'un mort, il fera tout ce qu'il veut passer par la grande porte sans laisser mes armes. Ensuite, direction le bureau de Montreal, enfin un peu de changement. Offre refusée. Offre refusée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Ruben. Je vous avais dit que je vous appellerais peut-être. Alors voilà. On est à l'aéroport en ce moment. Ils ont rassemblé tous les journalistes et ils disent qu'ils vont nous faire partir. Au pire, s'il vous plaît, venez ici. Je suis désolé de faire appel à vous, mais je n'ai pas d'autre choix pour le moment. Ok. Moi, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Je suis allé du matos. Ah, la fameuse mine, vous vous en rappelez? Quand elle n'était pas inondée. Ah, c'était sport par ici. Ah, oh mon dieu, c'est pas la porte d'à côté. Et là, je pense que je vais y aller en bagnole. Je vais pas chercher à prendre le bus. Oh, ce boxon. Je vais garder mon véhicule lance-grenade parce qu'évidemment c'est tellement efficace que on ne peut s'en lasser. J'étais un peu horrible. Attends, faut que je recule si je veux accéder au capot et le réparer. Sinon ma route sera par là-bas.
Chabadabido. Allez, sauvegarde, encore une. Ah bah tiens, il y a encore des poussiques, mais ils sont peut-être trop discrets pour que je m'amuse à les chasser. Merde, il y a un snipe ici. Ou un tireur lance-roquette. Merde. C'était un mec lance-roquette. Pas le bon flingue, oh là là. L'autre, je lui tire à bout portant au lance-grenade. Ma boule. J'ai fait n'importe quoi. Là aussi, de l'importance de choisir la bonne arme au point avant de monter dans le véhicule. Le Rambo, il est où? Il est là, le Rambo. Voilà. Oh! Comme dans un jeu de quilles. Le gars, je l'ai fait gicler. Il a atterri où, le malheureux? Ah bah, il a atterri au-delà de la carcasse. On l'a bien vu, il a... Un horrible accident de la route. Bah, du coup, j'ai même fait l'économie de balles, puisque j'ai pas eu appuyé sur la gâchette. Ah merde, il y a le soin de la malaria déjà, j'avais oublié. Et le soin de... Hop. Le snipe. Traverser la capitale, hein, je vous le dis. Donc le son de la carte. Donc n'oubliez pas qu'on se retrouvera tout à l'heure aux environs de 19h pour un grand prix de Lily 16 courses. Et ensuite on fera à partir de 20h un jeu en commun avec Dorota, un jeu de cartes. Je vais expliquer les règles ce matin. Je suis ma boule. J'avais oublié que c'est un point de contrôle ici.
Oh, salopard! Il a très bien réussi à me dégommer. J'étais parti pour faire une perfection et m'en sortir vivant, et jusqu'à ce que le gars arrive à me feinter très intelligemment, faut le dire. Faut le reconnaître. Comment qu'il est tombé mort du véhicule? Ça, c'était sympa comme animation. Ouais, je vais faire pareil, je vais recharger aussi. Oh, oh, se retourner! Wow, de redire un danseur professionnel. Ding, sauf qu'il a tiré en même temps. J'ai perdu le véhicule à lance-grenade, dommage. Grenade ou... Oh, j'ai fait suffisamment d'explosions comme ça. Il est où le mec? Bah, il est où le gars? Ah, il m'a feinté! Ah, il est là. Ah, il est... Hop, il y est plus. Ah, dommage, c'était rigolo le véhicule lance-grenade. Bah, on aura bien rigolé avec. Je pouvais pas le garder tout le temps, malheureusement. Malheureusement. Oh, ce chaos! Oh là là là. Est-ce que je peux rejoindre mon... Mais oui, mais je peux y aller en navire! Ça va être tellement en ligne droite que ça va être merveilleux. Ouais, c'est pas comme s'il y avait déjà quelqu'un. Hop là. Merde! Mon flingue qui se coince. Voilà. Ouh, parce qu'un flingue qui s'enraye, c'est pas cool. Alors, c'est génial. Mais oui, j'ai qu'à tracer en ligne droite. Et avec un peu de chance, je croiserai personne. Donc, je vais, on peut le dire, pleine balle. Arriver là où je dois bosser. Donc, rappel de l'ordre de mission, c'est trouver Rubens dans le hangar de l'aérodrome. Je viens d'avoir Rubens au téléphone, il est détenu à l'aéroport par des milices avec d'autres étrangers. Il risque d'être expulsé, avec un peu de chance. Je crois qu'ils n'ont pas trop aimé ces reportages, il en dit trop sur les factions et leur tentative d'empêcher l'exode. Je dois tirer Rubens de là. Ah là 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 là. En fait, c'est un journaliste et pas un politique que je dois escorter à l'aéroport. Je sais pas pourquoi j'avais gardé l'image d'un politique qui voulait se barrer. Mais non, c'est un journaliste. Enfin, vous me direz, pour ce qui est de la France, ils ont tous la même formation de base, c'est sciences politiques. Ah là 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 là. Enfin, du moins, on va dire dans le cursus conventionnel. Il est où? Ah, il est vraiment dans le premier hangar. Non, je vais prendre le...
Mais l'autre, je lui tire un peu une tête, ça s'est rien passé. Ça a craché. Attends, me le rappeler dans une heure, ça. Merdoum. Far Cry 2. On y retourne. Eh ben, bah tiens, je peux peut-être couper en deux l'action, parce que ça fait quoi? Ça fait une heure et quart.